aller voir Diète. No sé si yo me voy a... llego a hacer. Eso de una mano está bien, de la otra mano... Y ahora de las dos manos no llego a hacerlo. No sé cómo empezar. Aquí estoy en el pueblo en el que trabajo los fines de semana. Es un pueblito que se llama Talmont-sur-Gironde y es chiquitito, chiquitito. Bah alors, vous m'entendez? Vamos. Nuestro nuevo coche. Tu veux me dire quelque chose, Caroline? Tu veux me dire quelque chose? Creo que los gatos me quieren decir algo. ¿Qué pasó? Vamos. Alors là, j'ai mes affaires de musique, de yoga, je vais pratiquer un peu en tenant compagnie dans le champ aux chevaux qui sont juste ici. Et puis en ce moment, de l'autre côté de la rivière, dans l'autre champ, il y a d'autres chevaux qu'on a en pension, il y en a deux. Voilà, et puis bientôt, pendant qu'il fera encore beau, j'espère, bientôt, vous verrez. Ben là, il va y avoir Miss Chuchos, il va y avoir Jacobo, il va y avoir Los Gatos. Et il va y avoir une caravane aussi. Voilà. Bueno. Pues aquí con el nuevo coche de emisora. Hoy pasamos el control técnico y pues hay unas cositas que hacer. Hay que limpiar los faros de adelante. Ah, ya no tiene pila. Bueno, pues
la bulle. Du coup, en attendant, je vais faire ça. Là, il faut remettre un peu de mastic sur le papier. Ça va déjà beaucoup mieux. Là, il y a encore beaucoup. Hola, hola, buen día. Quería hacer yoga hoy, entonces me instalé, puse mi tapete atrás de mí y me volteé un segundo y me tomaron el lugar. Durante unos meses hemos estado viendo campers, bueno, estuve yo viendo campers. Pero no tuve mucha suerte, hay poquitos campers en mi región, son bastante caros. Y entonces, el otro día pensé que pues ya tenía un coche, entonces que ¿por qué no una caravana? Entonces hoy pues es la primera caravana que voy a visitar. Estoy esperando el ferry para ir con el coche que está ahí a visitar una caravana. Y mientras, como hay mucho tiempo, estoy disfrutando pura percusión. A ver qué me sale. Aquí está. Là, il y a un lit, une chambre à part. Donc là, il y a pile poil le lit qui rentre. Moi, je rentre pile poil dedans. Et puis, de l'autre côté, il y a donc le petit salon. Avec la cuisine ici, et ici, et ben les toilettes. Alors... Et la mission du jour, c'est aller chercher la caravane. Voilà, parce que les propriétaires, enfin les anciens propriétaires, puisque c'est moi la propriétaire maintenant, les anciens propriétaires m'ont envoyé un message en me disant qu'il fallait à tout prix que j'y vienne avant lundi. Mais moi, je travaille samedi, dimanche et lundi. Donc là, on est vendredi. Et je vais chercher la caravane. Je pensais avoir encore une ou deux semaines bien préparer son arrivée. Mais bon, il pleut, il a plu un peu toute la nuit. Donc j'espère que ça va le faire, que le terrain n'est pas trop gras, comme dit mon père. Mais ça va le faire, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, donc là, je vais petit déjeuner en route. Je vais mettre de la musique et je suis super contente. Voilà, j'ai pas dormi en fait, je suis super contente. Là-bas de l'autre côté. Regardez cette mini statue de la liberté. Voilà. Et j'ai récupéré le bébé. Voilà, c'est notre future maison, c'est la future emisora mobile. Bueno, esa soy yo cuando acabo de llegar al campo y me voy a estacionar ya para adentro. Bon, va pas falloir que je me rate, hein, parce que l'entrée, elle est 5 cm de plus que la largeur de la caravane. J'ai mis la caravane dans le champ, j'ai pas eu le temps de la dételer et de refermer le portail que eux deux s'étaient déjà fait la malle. Donc ça c'est le truc pas vraiment marrant.